Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mesdames, messieurs, chers frères, marhababikoum, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Merci aussi pour Dr. Boualem Djouhri, qui est toujours là pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Dr. Djouhri, marhababik. À l'approche de Ramadan, il y a des questions des gens qui se demandent, qui donnent des questions, des détails sur le jeûne et tout ce qui concerne le jeûne de Ramadan. Et nous sommes là et nous aurons, inchallah, des émissions spéciales pour le Ramadan et le jeûne, inchallah, fil ayam, les jours prochains, inchallah. Et nous mettons toujours, comme d'habitude, à votre disposition un numéro téléphonique pour nous contacter, pour nous poser vos questions, ainsi qu'un email avireligieux@gmail.com. Docteur Georgie, nous entamons les questions de nos chers télés. La première question, c'est, ça concerne toujours le jeûne du Ramadan. Merci pour cette émission. Ma question, je sais que vous y avez déjà répondu, mais un détail me pose problème. J'allaite ma fille de 20 mois qui a eu une allergie à la protéine de vache lorsqu'elle avait un mois. Aujourd'hui, elle n'est plus allergique, mais ne boit aucun autre lait. Elle mange des yaourts et son alimentation, la purée, etc. Par contre, elle tète encore beaucoup dans la journée. L'allaitement reste très présent. Oui. Je dois rattraper 2 mois de Ramadan déjà enceinte et malade et une première année allaitement. Oui. J'ai honte, mais lorsque j'allaite, j'ai une faim incroyable, incontrôlable même. Suis-je encore autorisé à manger pendant ce Ramadan ou pas? Cela fera alors 3 mois de jeûne à rattraper. Merci pour votre réponse. Nadia pour sa fille Daya Yousra. C'est comme si on va répondre pour sa fille. Nadia, mais pour sa fille. Elle l'a bien précisé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cher frères et sœurs, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La femme qui allait est parmi les dispensés du jeûne du mois de Ramadan. Et il y a une source d'un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Aïcha, la femme du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البروفيت عليه الصلاة والسلام دي إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a allégé en quelque sorte la corvée du voyageur du jeûne, il l'a allégé du jeûne, et puis il l'a allégé de la moitié de la prière, ce qu'on appelle le raccourcissement des prières. Et il a allégé la femme enceinte et la femme qui allait du jeûne du mois de Ramadan. Du moment qu'il y a ce hadith-là, ce propos-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous restez toujours dispensé du mois, c'est-à-dire du jeûne du mois de Ramadan. Là, vous vous rapprochez en quelque sorte à la fin de l'allaitement de votre fille. Elle a 20 mois et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَدَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ » C'est-à-dire que normalement au bout de 24 mois, il faut essayer de cesser d'allaiter cette fille-là, sauf s'il y ait bien sûr une contrainte. Sauf qu'il y ait une contrainte, peut-être une contrainte médicale ou de ce genre-là. Voilà, une nécessité. Mais normalement, l'allaitement finit au bout des 24 mois. Et la dispense aussi, normalement, finira au bout des 24 mois de l'âge de votre fille. Même que vous avez 2 mois à rembourser,
vous n'avez aucune fidia, c'est-à-dire vous ne vous acquittez d'aucune sadaqa, d'aucune fidia, du moment que vous êtes dispensé. Du moment que c'est justifié. Voilà, et c'est justifié. Mmh. Et puis vous étiez enceinte, puis tombée malade, puis vous allaitez votre fille pour une année et pour la deuxième année, même qu'il y ait ces trois Ramadan, inchallah, avec le Ramadan qui va arriver, qui seront une dette. Là, on vous dit que le Ramadan, qui est considéré, c'est-à-dire une dette par rapport à la grossesse, là, vous allez seulement le rembourser, rembourser les journées, les jeûner, voilà, faire le Ramadan. Et puis, les deux mois de l'allaitement, il est recommandé, non pas obligatoire, hein, il est recommandé de faire sortir, en plus du remboursement des journées du mois de Ramadan, vous allez faire sortir une fidya pour chaque jour. Parce que c'est, en quelque sorte, vous n'avez pas jeûné, non pas pour votre santé, pour la santé d'autrui, c'est-à-dire la santé de votre fille. Là, il est recommandable ou il est recommandé de s'en acquitter, c'est-à-dire d'une petite fidia, de quoi nourrir un nécessiteux pour chaque jour. Ça, selon, bien sûr, les directives de l'école malikite. Voilà. Mais sinon, vous êtes toujours dispensé et vous serez toujours dispensé du moment déjà que votre fille n'a pas atteint les 24 mois, voilà, la date limite de l'allaitement, même si là, il y a une contrainte, il y a une nécessité d'y aller au-delà des 24 mois avec l'avis du médecin, vous pouvez aussi vous considérer comme étant dispensé du jeûne du mois de Ramadan qui va arriver, Inch'Allah. Et entre deux parenthèses, docteur Doré, puisqu'elle va dire j'ai honte, il n'y a pas de quoi avoir honte. Ah ben, il n'y a pas de quoi, bien sûr. C'est... Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a allégé la femme qui allaite. Parce que c'est lui qui a crié et c'est lui qui connaît mieux c'est-à-dire le métabolisme, si on veut dire, du corps humain et du corps de la femme qui allaite. Et c'est pour cela qu'il a donné en quelque sorte la rukhsa, cette permission. Permission. Voilà, Cette exception. Cette exception-là. Voilà. Alhamdoulilah. Bon, la deuxième question, j'ai une petite question en ce qui concerne zakat. Oui. J'ai 1 600 euros. Ça fait une année de ça. Je ne sais pas. Est-ce que je donne zakat ou pas? Il va donner ou pas? Hein? Moi, je vis ici en Algérie. Elle vit en Algérie. Bon. Les 1 600 euros, si ce n'est que cette somme-là que cette personne-là possède, yani, elle est dispensée de la zakat. C'est-à-dire, elle n'arrive pas au seuil de nisab pour être concernée par la zakat. Mais si cette personne-là, on a d'autres sommes à côté, pourquoi? Parce que en dinar, par exemple. En dinar, voilà. Là, il faut assembler, il faut, c'est-à-dire faire l'addition, voilà. Il faut additionner toutes les sommes. Non pas somme par somme, parce que celle-ci, elle est en banque, celle-ci, elle est en euros, celle-ci, elle est en dollars, celle-ci, elle est en dinars. Non, on ne fait pas comme ça. Mais on rassemble, c'est-à-dire on additionne toutes les sommes. Et puis si, avec l'addition-là, j'additionne et je vais voir est-ce que ça... C'est-à-dire, est-ce que ça dépasse le seuil? Le seuil, voilà. Voilà. Les 1 600 euros, même avec la conversion au dinar, si sa seule richesse, hein, voilà, là, elle n'arrive pas au seuil. 1 600 euros, ça peut faire peut-être quelques 28, 30 millions, comme ça, ou un peu plus. Hein, mais ça n'arrive pas au seuil, ce qu'on appelle un nisab, hein, qui est à peu près 45 millions. Pour la valeur de l'euro, est-ce qu'elle suit Elle suit la valeur du marché.
Tu marches parallèle, oui. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en vigueur par rapport à la valeur, c'est-à-dire officielle, si on veut dire. La valeur officielle est avancée par les banques, etc. Là, c'est-à-dire, ils ne prennent pas en considération ce qu'on appelle l'inflation. Mais avec l'inflation, il y a directement le marché parallèle qui nous illumine sur la vraie valeur entre les, c'est-à-dire la conversion entre les monnaies. La valeur réelle de la monnaie, c'est son pouvoir d'achat. C'est ça, bien sûr. C'est ça, ouais. Bon, salam alaykoum. Voilà, je voulais savoir la vie religieuse sur le fait d'entreprendre des contacts avec les chrétiens. Oui. J'ai ma cousine qui s'est mariée avec un musulman, mais son beau-frère et sa femme sont des chrétiens. Elle n'est pas sûre. Ouais. Actuellement, elle était obligée de leur faire le dîner, car la femme était malade. Ouais. Son beau-frère, ou je sais pas quoi. Ouais. D'accord, oui. Ouais. S'il vous plaît, si vous pouvez me répondre, merci. Mais j'avoue, il le gêne ici. Le gêne par rapport à quoi? Bon. Je vous dis, le gène, il est où, Maître Migari? Parce qu'il y en a trop de faux muftis qui proguent en quelque sorte un islam de rejet. C'est-à-dire un islam qui rejette les autres et qui veut que le musulman n'ait aucune relation qu'avec les musulmans. Alors que l'essentiel de la relation dans notre religion, c'est la bienfaisance à tout le monde. D'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans un hadith très célèbre, hein, il abrège en quelque sorte la vision du musulman envers Allah subhanahu wa ta'ala, sa vision envers soi, sa vision envers autrui, et il dit en trois phrases: ittaqillaha haythuma kunt. Ça concerne, c'est-à-dire notre relation avec Allah Azza wa Jal. Ittaqillaha haythuma kunt, c'est-à-dire qu'il y a Allah Azza wa Jal là où tu es. Il faut le craindre partout, voilà, et dans tous les domaines, voilà. Et puis il dit c'est-à-dire à chaque fois que tu fais une erreur, hein, un péché, il faut y aller vite vers le repenti et vers l'œuvre noble pour faire des hasanat afin en quelque sorte d'effacer ces sayyiat. Et la troisième chose, c'est envers autrui. Il dit wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan, et comporte-toi envers tous les gens, an-nas. Il n'a pas précisé est-ce que c'est des musulmans ou pas. Il a dit an-nas, tous les gens. Et comporte-toi envers les gens avec un comportement digne d'un musulman, un bon comportement. Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de ceux qui ne sont pas musulmans, il ne nous a jamais interdit d'avoir une relation de bienfaisance, une relation d'amitié, si vous voulez. Il nous la recommande. Il l'a recommandé. La yanhaakum Allah, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla ne vous interdit jamais d'être bienfaiteur envers les autres qui ne sont pas musulmans. La yanhaakum Allah 'an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum wa anta barruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Du moment qu'ils ne sont pas vos ennemis par rapport peut-être à une offense concernant la patrie, etc. La yanhaakum Allah 'an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din, c'est-à-dire ils ne sont pas en état de guerre avec vous. Que ce soit des guerres de religion ou des guerres de patrie sur des frontières ou je sais pas quoi, ou les mihrijou comme ils disent, c'est-à-dire ils ne vous ont jamais agressé, ils ne vous ont jamais sorti de vos terres, de vos maisons, etc. Cela, hein, je ne vous ai jamais interdit de vous comporter envers eux avec le qist, c'est-à-dire équité, si être avec voilà. Être juste avec. Être juste, voilà. D'avoir, c'est-à-dire, un comportement de justice un et en plus un tuhsino. Et d'être justice. Bienfaiteur envers vous. Alors, là, du moment où
ils sont dans le besoin, il n'est pas digne d'un musulman de laisser quelqu'un dans le besoin et d'être indifférent comme ça envers son besoin. Et nous savons bien que les chrétiens de Najran, Nasara Najran, ils sont venus pour voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait leur prière en tant que chrétiens dans la mosquée, au sein de la mosquée. Il leur a réservé un carré comme ça pour faire leur prière. Bon. De chrétiens. Oui. Ouais. Donc, il ne faut pas avoir de gêne dans ce... Ah oui, bien sûr. Et du moment que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis aussi d'avoir des chrétiens comme gendre, c'est-à-dire de se marier avec chrétien, on ne peut pas se marier avec une chrétienne et puis couper les relations avec sa famille. Oui, voilà. Nous avons bout du fil avec nous pour nous couper la communication aussi. C'est Madame Hanan de Lyon. Allô? السلام مرحبا مرحبا بك يا خويا عايشك عندي دوك السؤال للشيخ ان شاء الله وي وي عندي انا نسكن هنا في فرنسا ايوه وعندي بروبليم تاع ليغان تاعي بروبليم تاع بروبليم تاع ليغان داكور اي سي با ان بروبليم كبير حاجه مش حاجه كبيره حاجه نورمال يعني قال لي كي رحت للميتا راني اونسانت عندي 5 موا كي رحت للميدسان ما دي في رمضان ما تقدرش تصومي باوي داكور وي ما دي سي با انا شفتها يعني مش حاجه كبيره يعني بزاف مي جو سي با حتى شخصي اسكو سي فري نقدر نصوم ولا لا باسكو لا باش ما توليش كبيره نعم هو ماشي كبيره قالها لك باش ما توليش كبيره دونك انا سو كومبليك با نحاول يعني حبيت نقول لهنا يعني اللي متام ما يفهموش شنو هي قيمه رمضان ولا قيمه الصيام تو كي يشوفوا كثر ما يضا يقول لك ما تصوميش حاول نعرف اسكو في الدين صح ما نصومش ولا وي وي واش يقول لي ولا كيفاش بون سي دكتور جوهري حاب يقول لك حاجه السلام عليكم مدام الو الو وي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وزيت انسنت مدام لا وي ثانك موي الله يبارك الله يبارك ربي يقومك بخير مي دو مومون كو فوزيت انسنت بوركوا شيرشي ل ها شي با لا بلوي اون ايتي ها فوزيت انسنت فوزيت ديسبونسي دو جون دو موا دو رمضان ها بلوس كو سا فوز افي ان بروبليم او نيفو دو فور ها alors vous avez une double si vous voulez excuse pour ne pas jeûner ce mois de Ramadan et pourquoi se chercher des problèmes et des complications du moment que vous êtes dispensé. Alhamdoulilah, après votre accouchement et avec l'avis du médecin, de votre médecin, par rapport à vos reins bien sûr, si vous n'aurez pas de complications, si vous remboursez votre jeûne, vous le faites, hein, vous le remboursez, sinon, si c'est une maladie chronique, vous allez vous en acquitter d'une somme, c'est-à-dire pour nourrir un nécessiteux pour chaque jour du mois de Ramadan. Si cette maladie est chronique et elle vous empêche de jeûner le mois du Ramadan. Mais docteur Johari, inshallah tkoun maya, un médecin c'est un médecin. Il parle en sa qualité de médecin. Connaître la valeur de Ramadan ou par rapport à la santé. Non. Ramadan, Allah Azza wa Jal, il t'a mis fi maqam siyam ki fi maqam siyam. Ouais. Dar fi maqam al-infaq ki fi maqam al-infaq. Il ne faut pas se compliquer la règle. Ou hna anna la règle fil fiqh, tabibuka muftik. C'est ça. Tabibuka muftik, sah. Les choses ne sont pas compliquées pour l'instant, mais justement pour éviter les complications. Hna tambanna ni al-fiqh. الرخصة للمرض أو لخوف زيادة المرض. مسير المرض بعد. سي كان مرض يحسك الصوم. ماذا شاف الميدسان باللي الصوم يلفا كومبليكي الحالة الصحية تاعك. تانيك سي رخصة هنا تحضر وتفطري وتخرجي فدية وربي في الكفارة يقدم الإنفاق على الصيام. لا. سي la maladie vous empêche de jeûner et c'est une maladie chronique, c'est-à-dire qui va avec vous jusqu'à la fin de la vie. Apparemment. Mais sinon, si ça ne vous empêche pas de jeûner, c'est-à-dire vous allez rembourser, inshallah, après votre accouchement. D'accord. Ouais. Apparemment, madame, une deuxième question. Une
الله. إيه. تفضل. هذا اسم ميخائيل. أسكو حلاوة في الدين قدر نسميه. ميخائيل. وي. آه داكو. C'est un nom d'un ange proche, parmi les anges proches. Et il y a des avis de quelques savants de l'islam qui interdisent de nommer, c'est-à-dire ses enfants, Kimad Jibril, Israfil, Mikaïl, Azraïl, Mathalem. Il faut éviter ça. Ouais. Malgré que peut-être ce nom-là est très, très utilisé, voilà, Mikaël ou Mikaïl, Mikhaïl, chez nos voisins. Du Liban, voilà, Mikhaïl. Mais nous, les musulmans, c'est-à-dire, on est invités à respecter ces noms propres-là des anges et ne pas les utiliser, pour ne pas les salir. De préférable. Voilà, de préférable. D'accord. Docteur Johan, nous avons une question à Néa. Oui. Je voudrais avoir votre avis sur une question qui me concerne car je suis un peu perdu. Voilà, je suis en contact avec une fille avec laquelle je discute sur Facebook. Mais le problème, c'est qu'elle ne vit pas en Algérie, qu'elle n'est pas musulmane. Oui. Elle est de nationalité mexicaine, elle est intéressée par moi, c'est-à-dire mariage. Et moi, je veux pas, car elle doit, je pense, embrasser ma religion qui est l'islam. Et j'ai vraiment peur du péché. Si je me mets avec elle, donc il y a une pénurie de femmes ici ou là. Il y a un Mexique qui virtuellement, heureusement qu'il y a l'islam, mais j'ai vraiment peur du péché. Si je me mets avec elle, donc je préférerais vous demander votre avis pour savoir quoi faire, car je suis perdu. Oui, perdu. Ouais. Voilà, merci de m'avoir. Bah, déjà, c'est-à-dire, le mariage a des finalités. Oui, c'est-à-dire, on se marie pour un but. On se marie pour être dans le droit chemin. On se marie pour bâtir une famille. On se marie pour consolider, en quelque sorte, son intégration sociale, etc. Mais moi, je ne vois pas de finalité, rien que peut-être pour avoir des papiers et voyager et avoir peut-être une nationalité autre que la nationalité algérienne. Là, ça reste à votre jugement. Hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il nous a incité à nous marier, il nous a donné quelques conseils. Il faut les prendre en considération. Tunkahu al-mar'atu li arba' li maliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha. Fadfar bi dhati dini taribat yadak. C'est-à-dire, lorsqu'on va construire une famille, on cible la personne avec laquelle on va construire cette famille-là. On cible la personne pieuse, voilà. La personne qui pratique, la personne qui doit être la mère de mes enfants ou le père de mes enfants, c'est-à-dire par rapport à la femme aussi. C'est une chose sérieuse. Ce n'est pas comme ça, pas un coup de tête comme ça qu'on décide de se marier et puis qu'on choisit la personne avec laquelle on va bâtir. Mais sinon, si vous trouvez que vous êtes vraiment lié à cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, notre religion n'a jamais interdit de se marier avec une femme des gens du livre. C'est-à-dire qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit juive. D'accord. Mais avec quelques conditions. C'est-à-dire La question n'a pas précisé si elle est chrétienne. Parce qu'être chrétienne. Non. Là, quand je lis. Moi, je elle est. Voilà.
Elle doit embrasser sa mère. Elle doit embrasser. Voilà. Mais est-ce déjà, qu'elle, déjà, est-ce qu'elle, déjà, est-ce qu'elle est fidèle aux enseignements de la Il y a la condition d'être de la Bible, c'est-à-dire d'être, soi-disant, la femme, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit juive. Là, c'est la condition. D'accord. Si elle n'est pas de ces deux communautés-là, le mariage est illicite. Vous savez pourquoi elle soit chrétienne? Elle doit être fidèle aux enseignements de la Bible, voilà, ou de la Torah, de l'Ancien Testament, etc. D'accord. Mais il reste aussi une chose, oui. C'est-à-dire comment vous prévoyez en quelque sorte votre avenir, votre devenir, votre vie de couple après, concernant l'éducation de vos enfants. Il faut c'est-à-dire être muni d'une certaine l'azima, c'est-à-dire avoir l'azima, la volonté, avoir une grande volonté, une grande en quelque volonté, sorte, oui. Et une grande implication dans l'éducation de vos enfants afin qu'ils un engagement moral, voilà, et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de vous-même d'assurer en quelque sorte le fait que vos enfants seront des musulmans et ils pratiqueront l'islam. C'est-à-dire, pour prendre une décision comme ça, de se marier avec une femme qui n'est pas musulmane... Par le biais de Facebook. Je sais pas, il faut être courageux déjà. Et puis, il faut réfléchir davantage sur l'avenir de l'éducation de vos enfants. Mmh. Et il y a un petit détail là, il dit peut-être qu'elle doit peut-être embrasser une autre religion. Non. La règle générale reste comme ça. La ikraha fi din. Si elle est chrétienne, elle est juive, vous n'avez pas à l'obliger, imposer votre religion. Peut-être vous allez vivre des dizaines d'années ensemble. Et elle reste chrétienne. Elle reste chrétienne. Ce mariage-là est un mariage valable, est un mariage licite. D'accord. Mais c'est-à-dire la chose dont je parle, c'est l'éducation de vos enfants selon les rites et les enseignements de l'islam. D'accord. Docteur Johré, nous avons Madame Fazia de Paris. Madame Fazia, allô? Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Choukran, jazira na ad hadi l'hissa. J'ai une question en fait pour vous. Oui. C'est-à-dire, mon mari, il a un chien à la maison. D'accord. Et en fait, par rapport à la prière et tout, je laisse toujours une pièce, il rentre pas là-bas. Et je sais pas en fait, est-ce que c'est maqboula, est-ce que ça l'a t'koun maqboula amla par rapport au chien? Vous avez une pièce d'attira spéciale pour la prière? Oui. Où le chien n'entre pas? Oui. D'accord, on va vous répondre, madame. Marhaba. J'ai une autre question aussi. Oui. C'est par rapport au dentiste pour le mois de Ramadan. Et je sais, en fait, c'est tellement lent pour avoir un rendez-vous ici. Et comme j'ai le rendez-vous au mois de Ramadan, je ne sais pas est-ce que je vais rattraper la journée ou non. Qu'est-ce qu'elle a à faire chez le dentiste? Qu'est-ce que vous avez à faire chez le dentiste? C'est un détail, s'il vous plaît. C'est pour des soins ou pour... Oui, c'est pour des soins, en fait. C'est pour des soins? Oui. D'accord. C'est tout, madame? Pardon? C'est tout? Il y a deux questions. Oui. On va vous répondre, madame. Marhaba. Shukran jazila. Marhaba. Marhaba. Concernant la première question, un chien, une pièce spéciale pour la prière. Donc, oui, c'est vrai que c'est-à-dire le walagh, je sais pas comment le traduire, ce qui sort de la bouche du non, chien. Non, le walagh, c'est la manière du chien lorsqu'il boit l'eau. C'est-à-dire, il fait ça, sa manière de... Non, mais tout ce qui sort de sa bouche... La salive. La salive du chien, oui. La salive du chien est considérée comme étant impure. Najasa. Ghayr tahira. C'est-à-dire, si le chien, c'est-à-dire, met cette salive-là sur un membre
de notre corps, c'est-à-dire là, il faut le laver. On doit laver ce membre-là. Oui. Avant de faire, la prière. De faire la prière. Sinon, si on fait la prière avec cette salive-là, la prière n'est pas valable. D'accord. Tahara shart siha. Barakallahu fik. Taharat al makan wa thawb wal badan min al najasat. Mais du moment que vous avez en quelque sorte cette pièce-là qui est interdite aux chiens et qui n'accède pas c'est-à-dire à cette chambre-là, tant mieux. Voilà. Et il faut c'est-à-dire surveiller la salive. D'accord. Voilà. Mais sinon, moi je dis une chose, c'est-à-dire le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'a pas interdit d'avoir un chien en quelque sorte chez soi. Il a donné un conseil de lui, c'est-à-dire de lui faire en quelque sorte une demeure, si vous voulez. Si c'est possible. Voilà. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Et sinon, il y a dans le Coran le chien des gens de la caverne. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم الى la fin de l'aya, c'est-à-dire que comment qu'on va faire de ce chien là, qu'est-ce qu'on va faire de ce chien là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité pour renforcer ibn Abi Zayd li hna qaw risala ta'o fi البلد بارك الله فيك risala ibn Abi Zayd al-Qirawani il avait un chien avant qu'on lui a dit comment pourquoi vous avez un chien alors que Cheikhak, ton maître Malik, Malik, s'il était avec nous, il aurait pris un lion. Un lion. Avec l'insécurité, etc. qui règne. Donc, Malik, entre deux parenthèses, la présence du chien à la maison en soi, c'est pas bon. Un petit peu, voilà. Par rapport à la prière, elle est valable. Ah, non, par rapport à autre chose, le prophète alayhi salatu wassalam nous a conseillé en quelque sorte, si on a un chien, de lui faire son monde à part. C'est-à-dire qu'il soit un petit peu loin de notre maison. Voilà. D'accord, si c'est possible. S'il y a possibilité. Mais dans un bâtiment, voilà. Mais par rapport à la prière, il faut éviter seulement la salive du chien. D'accord. Ouais. Et pour sa deuxième question, chez pour le dentiste la deuxième pendant question, Ramadan, faire des soins au niveau de la bouche, des dents, etc. N'annule pas le jeûne. N'annule jamais le jeûne, sauf s'il y a un médicament qu'on doit prendre peut-être par voie orale. Et l'anesthésie, elle n'est pas. L'anesthésie, elle n'annule pas le jeûne. Ouais. Et docteur Djouhri, nous allons vers une toute petite transition. Nous revenons après un instant. Reste avec nous, mesdames et messieurs. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير.
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور جهري nous avons d'abord au bout du fil madame Wassila de Lyon. Allô? Allô oui. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ بغيت نستشيركم في واحد الأمر بون أنا لاني باسي كان عندي ديت تاع 8 jours ما صمتهمش في رمضان. Et juste après, je suis tombée enceinte. D'accord. Et ma grossesse, elle est un peu difficile, donc je ne peux pas les rattraper tout de suite là. Oui. Mais comme Ramadan, il rapproche et tout, et je voudrais juste savoir comment faire pour les rattraper ou quoi. Voilà. C'est tout ? Oui, c'est tout. D'accord. Marhaba. Et c'est une merci, cher. D'accord. Bien, encore. Du moment qu'elle est enceinte, elle est toujours dispensée du jeûne du mois de Ramadan déjà qui arrive, et puis dispensée aussi de rembourser sa dette du mois de Ramadan précédent. Et elle a bien précisé que juste après Ramadan, c'est-à-dire elle est tombée enceinte juste après. Si peut-être il y a beaucoup de mois, voilà, il y a beaucoup de mois qui se sont écoulés, et puis elle n'a pas remboursé sa dette et peut-être juste avant le Ramadan qui arrive, elle est tombée enceinte. Là, elle doit s'en acquitter d'une fidia plus le remboursement de ces journées-là, parce que elle a délaissé en quelque sorte le remboursement hein, pendant des mois. Mais du moment qu'elle a dit qu'elle est tombée juste après Ramadan enceinte, là, elle n'a rien à rajouter au remboursement de ces journées. C'est-à-dire après, Inch'Allah, l'accouchement, et peut-être même après l'allaitement de son bébé, Inch'Allah, elle va rembourser ces journées-là. D'accord, c'est clair. Ouais, c'est clair. Là, oui. Ben, une question qui a un rapport avec le jour de Sha'ban. Peut-on oui. jeûner pendant la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban, oui. même
s'il s'agit du remboursement de nos dettes du mois de Ramadan précédent? Bon, le remboursement, on doit s'en acquitter. Il faut le faire. Quel que soit le mois, même une journée avant Ramadan. D'accord. Là, c'est-à-dire, le remboursement est une obligation. Parce que parmi les obligations liées au jeûne, il y a Siyam Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, il y a Siyam Al-Kaffarat, si on a une expiation, c'est-à-dire à faire, et Siyam Al-Nudhur, c'est-à-dire ce qu'on a donné comme, si vous voulez, c'est-à-dire, on s'est donné une obligation à soi-même par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a le jeûne du remboursement des journées du mois de Ramadan. Là, il y a quatre types de jeûnes qui sont obligatoires. Et le karaha, parce que c'est vrai, dans notre école juridique malikite, l'imam Malik a dit, c'est-à-dire celui qui a jeûné pendant la première quinzaine du mois de Ramadan, il peut continuer à jeûner. Mais celui qui n'a pas jeûné pendant la première quinzaine du mois de Ramadan, c'est préférable qu'il ne jeûne pas pendant la deuxième moitié, la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban. La nafila. La nafila, bien sûr. Mais là, il s'agit du remboursement de la dette. Et bien sûr, vous allez la jeûner. Et pour celui qui a l'habitude de jeûner, par exemple, le jeudi, le lundi. Voilà. Là aussi, il peut continuer à jeûner. D'accord. Voilà. Et s'il a l'habitude de jeûner lundi et jeudi, ça veut dire qu'il a jeûné pendant la première quinzaine du mois de Sha'ban. Mm-hmm. Voilà. Là, c'est un avis. Hein. C'est un avis de notre école. Et puis, al karaha, ce n'est pas interdit, makruh faqt, pour celui qui n'a pas jeûné pendant la première quinzaine, de jeûner pendant la deuxième quinzaine. C'est détestable. Détestable et ce n'est pas une interdiction. D'accord. Voilà. Bon, c'est un peu assez long la question. Je suis une personne âgée de 68 ans, avec des problèmes de santé. D'une part, je suis diabétique avec un traitement à vie. D'accord. Depuis, j'ai eu un accident, fracture du dos, ainsi que le pied et prothèse du doigt, qui a fait que je dois faire des séances de piscine médicale et du kinésithérapeute pour une durée indéterminée. Lors du Ramadan 2012, quand je l'ai fait ainsi que les 6 jours de sabirine, 2 mois après, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai vu mon endocrinologue en urgence et elle m'a fait savoir que le Ramadan, je ne pouvais pas le faire car entre-temps, j'ai eu des problèmes d'audition suite à mon diabète et que celui-ci était dangereux pour ma santé. Donc, mes questions sont, d'abord, puis-je faire la piscine médicale mixte, car je n'ai pas trouvé où j'habite, là où il n'y a que des femmes, sur une piscine médicale. Voilà. Là, du moment que c'est une nécessité, d'accord. Bien ce n'est sûr, pas du luxe. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité, c'est par rapport à votre santé, bien sûr. Vous êtes dans la contrainte c'est-à-dire de suivre le programme de cette piscine-là, même qu'il y ait une mixité pendant ce temps-là. La deuxième question. Inch'Allah, je souhaite aller à la Umrah pendant la deuxième quinzaine du mois de Ramadan. Oui. Est-ce vrai que celle-ci est considérée comme Hajj? Oui, elle est considérée comme Hajj dans la récompense. Dans la récompense. Mais elle ne prend jamais... c'est-à-dire la place du pilier de l'islam. D'accord. C'est-à-dire, elle est considérée dans la récompense. L'ajr. Men adda umaratan fi ramadan, kana ka men adda hajjatan ma'i. C'est-à-dire, celui qui a accompli une umra pendant. Avec Sidna, celui qui a accompli une umra pendant le mois de ramadan, c'est comme s'il a accompli une umra et une hajja, c'est-à-dire une hajja avec un pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne remplace jamais ce pilier-là de l'islam. C'est-à-dire, on fait la umra, on a une récompense d'un pèlerinage, mais on n'est jamais dispensé du hajj. C'est-à-dire qu'on doit faire son hajj après. Et dois-je quand même faire le ramadan jamais? Non, non, bien sûr. Si le médecin vous interdit de jeûner, il faut
se rallier au, à l'avis du médecin. À mon avis, hein? Il est interdit de voilà, faire. Voilà, il lui est interdit de faire le ramadan parce que par rapport à ce qu'il a dit le médecin. C'est-à-dire, ça lui fait des complications, ça lui engendre des complications, etc. Et là, elle est dans l'obligation de ne pas jeûner. Voilà, dans l'obligation de ne pas jeûner. Et à la place du jeûne. Et à la place du jeûne, elle fait la fidya. Nourrir un nécessiteux pour chaque jour du mois de Ramadan. Une question qui sort du contexte même. C'est la même. Puis-je continuer à faire mes teintures pour les cheveux? Oui. Je ne sais pas quelle est la relation, mais... Okay, bon, je ne sais pas, le prophète, alayhi salam, surtout s'il y a une personne qui commence à avoir des cheveux gris, le prophète, alayhi salam, nous a conseillé de faire des teintures, mais éviter la teinture noire pour ne pas... pour ne pas avoir... l'apparition d'être jeune, très jeune. Gayiru shibahu kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, parce qu'il y a un hadith qui est dans le Bukhari, dans le Muslim, concernant Abu Quhafa, le père. Le père d'Abu Bakr as-Siddiq, il avait des cheveux blancs, voilà, et le prophète alayhi salatu wasalam a dit à sa famille gayiru shibahu wa la tughayyiruhu bis-sawad. Pour ne pas apparaître vraiment très, 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 très jeune. C'est relatif. C'est-à-dire, c'est relatif. C'est couvrir ses cheveux blancs. Mais le principe... Du moment qu'elle a 68 ans, je sais bien pourquoi, peut-être. Donc, elle peut continuer à les faire. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la zakat, pour l'intérêt de compte bloqué, puis-je en donner à mon mari, car il a une toute petite retraite, 400 euros, ainsi qu'à mes petits enfants. Je vous remercie. Bon, déjà, il y a un amalgame dans la question, une confusion. La zakat est une chose, et les intérêts bancaires, c'est-à-dire les intérêts d'un compte bancaire, est une autre chose, ou sont une autre chose. Concernant, bien sûr, la zakat, vous pouvez la donner à votre mari. Si ça concerne la zakat, hein, parce que la femme, elle n'a pas d'obligation, c'est-à-dire de faire la nafaqa à quiconque. Alors, même son mari, elle peut lui donner du moment qu'il est nécessiteux. On peut le considérer comme étant nécessiteux. Elle peut lui donner la zakat. Ouais. Mais les intérêts bancaires, il est préférable qu'elle les donne à quelqu'un très loin. Parce que si elle les donne à son mari, elle va en profiter. Elle tire profit. Oui. Et peut-être elle va retomber. D'une manière ou d'une autre. Voilà, elle va retomber aussi dans l'illicite. Hein, parce d'accord. que, c'est-à-dire, menaklouche riba, c'est-à-dire, on est demandé de ne pas se nourrir avec une source illicite. Là, elle peut les donner à quelqu'un qui est un peu loin d'elle. Où elle ne va tirer jamais profit. Mais concernant la zakat, elle peut lui donner. Et nous avons, Dr Johari, au bout du fil, Madame Nassera de Marseille. Allô, Madame Marhaba. Elle est toujours... Allô, oui. Allô, oui, Marhaba. Allô, naam, Marhaba. Salam alaikum. Salam alaikum. Samahni, Cheikh, j'ai un des... Fait Ramadan. عندي مرض يعني مش مرض مزمن مي عندي لاختخوز مشكلة على لاختخوز يعني كي نقوم الصباح وعندي لاتيغويد مازال كي جاتني لاتيغويد يعني عندي رابع سنوات ثلاثة سنوات لاتيغويد ما نقدرش نكمل الصيام تاعي نهار كامل عندي واحد ليكوت نشربهم واحد الدواء لازم نشربه حتى الدوبي د لابريميدي يعني باش نقدر نشد روحي منيح به نوقف وبه ندور وكل شيء كما نشربش هذا الدواء يعني ما نخدرش النور ما ندمش نطبخ نولادي مي كل عام كل شهر لافين دي موا نخرج 150 اور يعني 150 اورو لمدها لا تيرويد كرونيك يا استاذ رابي ها
هذه وي راني فريمون تعبانه منها مازال ما نو سا دير علي علي ابي علي سوف كي فاس ال فاس اون انترفونسيون شي با كو نو سي يعني انا عندي 11 عمليه في بطني يعني دي اوبيراسيون دي لانتستان كوبي كوزي جي جي سي بي بوكو دي اوبيراسيون من 2003 لدروك يعني عندي مشاكل تاع صحتي ملي عملت العمليات هادو مي عندي لارتيكال عندي انيرني ديسكال كي مي دون لارتروز دون او جوست كومبا داكور مدام اون فابو ريبوند نصوم الصباح من بعد نتعب يعني الونجي يكون نصوم الونجي لا سي كلير مدام سي كلير اون فابو ريبوند بيسكي دراسي ان بو دو طون. On a bien compris votre question, on va vous répondre, madame Mahdabik. Je suis pas tranquille. Non. Je suis fatiguée moralement, mais oui, on a bien compris, madame. D'accord. D'accord, marhaba. On va vous répondre. Voilà, c'est Merci. Déjà, dans les versets coraniques, Allah Azza wa Jalla nous dit par rapport aux jeunes, Yuridullahu bikum al-yusr wa yuridu bikum al-usr. Allah Azza wa Jalla ne veut pas que son fidèle, son souci, se sacrifie. Voilà. Là, vous êtes dispensé du jeûne du mois de Ramadan, du moment que vous avez beaucoup de maladies et vous avez un médicament à prendre toute la vie et tous les jours. Donc, et du moment que vous prenez votre médicament, vous êtes demandé aussi de vous nourrir, c'est-à-dire ne pas prendre seulement ce médicament-là et de se priver de la nourriture. Là, vous êtes en train de vous sacrifier pour quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla n'a jamais demandé. Voilà. Du moment que vous êtes malade, vous allez manger comme vous mangez les autres jours, c'est-à-dire en dehors du mois de Ramadan. Et du moment que vous vous acquittez de 150 euros pour le mois, normalement ça doit être suffisant, alhamdoulilah. 5 euros pour chaque journée. Et il faut se mettre dans la tête cette idée-là que vous n'avez jamais commis de péché. D'accord. Rabbi yaktub lak ajr siyam. Bi-idhnillah. Docteur Touré, nous arrivons au terme de cette émission. Merci. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc, fi ra'ayatillahi wa hifdhih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabb al-alamin, Allahu Allah. Salli ala Taha al-amin, Allahu Allah. Fi kulli waqtin wa hin, Allahu Allah. Imla' qalbi bil-yaqin, Allahu Allah. Thabbitni ala hadha al-din, Allahu Allah. Waghfir li wal-muslimin, Allahu Allah. Yeah.